ce qu'elle en dit, la psychiatrie de ces enfants-là, qui sont nombreux, et de Lila en particulier, pour ne pas dire en personne. Voilà ce qu'il peut en dire, le psychiatre, qui s'efforce de dire au plus vrai de ce qu'il en voit et de ce qu'il en sait. Il avait donc 12 ans en 1967, invivable, c'est vrai, des voisins à cause de tout ce qu'on peut se dire, de tout ce qui peut se dire, et puis rien à faire. Ils l'ont bien dit, incurable. Insupportable, invivable, incurable. Invivable, alors, la société a tout prévu, et même des lieux où invivre le soir prévu. Et il se trouve que ce lieu-là prévu pour, je le connais. Les murs sont des murs, les toits sont des toits, des arbres il y en a, et les fenêtres ne sont pas tout à fait des vraies fenêtres. Les fenêtres ne s'ouvrent pas, pas de gros. Du fer enrobé dans le bois, la grille ne s'y voit pas. Alors, que vont devenir les yeux de cet enfant-là parmi des centaines d'autres? Que deviennent les yeux d'un enfant qui n'a rien à voir, que le temps qui passe. Et le temps, ça ne se voit pas. Il est atteint, cet enfant-là, d'autisme infantile précoce. Alors, son isolement est extrême, dit la psychiatrie. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Le symptôme est flagrant. Et puisque c'est d'immuables qu'il a besoin, il en aura. Tout son sou, de l'immobile et du réitéré et du toujours pareil. Cette photo, cette image a été prise ici, loin de ces lieux prévus exprès tout à fait pour. Très loin, à l'autre pôle. C'est à l'autre pôle que nous sommes. Et nous venions d'y arriver avec ce gamin-là, à la clé de nos existences. Ce qu'il tient dans sa main, ce qu'il contemple, c'est une petite boule d'argile accrochée à une ficelle. L'un d'entre nous avait dû la rouler entre ses paumes et l'accrocher là, à une branche. Et le tour était joué. Il allait nous le faire voir, ce gamin-là, que la terre ne tournait peut-être pas dans le bon sens. Ce gamin-là, né avec une incapacité innée d'établir la relation à l'autre et souffrant d'un besoin impérieux d'immuable.
Séquence de ligne A1, première. Parlez. Parlez. Parlez comme si c'était tout naturel. En parler de ce gamin-là et des autres qui lui ressemblent. Alors que nous avons tout fait pour nous en passer du langage. De ce fameux langage qui nous fait ce que nous sommes. Et maintenant, il faut lui rendre des comptes. Mutique, ce gamin-là, alors, à quoi se fier? À quoi se fier lorsqu'il fait défaut? Le langage. Nous nous sommes mis à tracer. Ce gamin-là, qui n'est pas parlant, trace. Pendant des mois, sa main a tracé des ronds. Des ronds et rien d'autre. Elle en trace encore. Nous nous sommes mis à tracer nos mains suivant à la trace ce que nos yeux voyaient. Nos yeux, ce que notre regard était capable de voir. De saisir, de nous rapporter. Et voilà les trajets de ce gamin au cours d'une journée
de septembre 1967. Il tourne. Il tourne soit sur lui-même, les mains dans le dos, l'une tenant l'autre, soit en courant, comme si quelqu'un était au centre de son manège, le tenant au bout d'une longe. Ça se dit qu'un gamin tourne mal. Lui, il tournait sans cesse, sur lui-même. Voilà ce que le langage nous fait dire. Il tourne sur lui-même. Mais si ce fameux lui-même est en fait absent, vacant, cet enfant-là tourne autour de rien, sur rien, éperdument, perdu. C'est donc qu'il le chercherait celui-même, qu'il se chercherait. Nous n'avons pas pris cette piste-là. Ce gamin l'a tourné, ni bien ni mal, au-delà, par-delà, le bien et le mal qui sont l'affaire de la parole. Jamais l'ombre d'un sourire sur son visage, sa mère me l'a dit. Il n'a jamais tendu les bras, pas l'ombre de l'autre, jamais, dans le champ de son regard. Ce que je me suis dit, et que j'ai dit et redit, inlassablement, immuablement, à nous autres, à ce nous autres, là, ce que j'ai dit et rabâché, c'est nous qu'il cherche. Et nous, nous y étions là, proches, attentifs, étonnés, inquiets, émus. Là, c'est une vaste demeure entre deux dents de rocher. Nous, des êtres pensants, êtres de langage, de chair, de sang, d'os, et de langage par-dessus tout. Sinon, à quoi voulez-vous vous fier? Mais puisque le langage ne porte pas, puisqu'il ne l'a pas, ce gamin-là, qu'il n'y entend rien, alors la différence est énorme. La distance, infinie. Invivable, cet enfant-là. Insupportable. Incurable. Et nous, à ses yeux, invisibles, inexistants. Ces mois-là, il tournait, il tournoyait, comme un vol de pigeons. Et la terre et les toits auraient disparu. Alors, le vol n'en finirait pas de tournoyer.
D'ailleurs, tous ces mois-là, ce gamin ne marchait pas, il courait, talons jamais posés. Inlassable, infatigable. C'est pas normal d'être infatigable. Le trou du loup, l'enfant sauvage. En plus, voilà qu'il aboie. Un aboie rauque. Un aouf. Allez savoir comment ça s'écrit. Et il lui arrivait aussi de se cogner la tête contre un mur. Violemment. D'autres enfants nous étaient advenus semblables à celui-là par certains traits, certaines manières d'être. À croire que la vacance du langage les fait jumeaux, ces enfants-là. Et nous avons pris position. Nous n'étions jamais que quelques-uns en petites unités éparpillées dans les monts de Paris. Il fallait tenir, et de jour, et de nuit, malgré l'invivable, l'insupportable. Dans les vagues, dans les monts érodés de la chaîne hercynienne, quelques radeaux d'après le désastre. Désastre, le langage a disparu, comme on le dirait du soleil. Et nous, à vrai dire, bien désemparés, mais tenaces. Il finirait bien par le percevoir que nous y étions là, proches. Nous, de chair, de sang et d'os. Et peut-être d'autres choses que de langage. Il a peur. Fais la luche tout seul, par contre. Pente. Oui, c'est pas la pente, il a pas peur de la pente. Je veux dire un petit coin, c'est pas les regards. C'est pas les autres. Non, non, non. Oh. Non, 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 il fait aussi de la luge tout seul où il y a du monde, ça c'est pas ça qui gêne. Non, mais c'est le fait d'être debout sur quelque chose d'instable. Mais dans une luge, il part tout seul, il s'en va. Il s'arrête et de tout. Bon. Allez, on va s'ouvrir. Allez. Thank you.
ce que je peux dire, ce que je dois dire, c'est que nous n'avons pas du tout cherché à savoir ce qu'ils avaient, de quoi ils étaient atteints. Nous nous sommes mis à la recherche de ce qui pouvait bien nous manquer, nous faire défaut, et gravement, pour que ce nous-là, de personnes conjuguées, soit, à leurs yeux, inexistant. Inexistant, peut-être pas tout à fait, de loin, de très loin, même quand l'enfant était proche, il arrivait qu'il distingue vaguement quelque chose qui n'avait rien à voir ni avec l'un, ni avec l'autre.
1968. Un an à peu près, jour pour jour, qu'il est là avec nous, ce gamin, à la boule d'argile, encéphalopathe profond. Tourner et se balancer. On dirait un mouvement d'horlogerie. La roue et l'encre. Des fleurs noires. Ici et là, sur la ligne d'air. C'est là où il s'arrêtait de courir et se balancer était quelquefois de moindre envergure. Là, c'est comme un cri, et là, c'est murmurer. Mais il ne s'agit pas du tout de langage. Il s'agit de se balancer, les mains derrière le dos, l'une tenant l'autre, toutes ces fleurs noires sont balancées, quelquefois de manière presque imperceptible, mais balancées quand même. Les fleurs ne sont jamais tout à fait immobiles. Et là, ils vibrent jusqu'à la moelle, comme une baguette de sourcils. L'eau, source. Rivière, bassin, fontaine. Tous les points d'eau repérés, vibrés. Nos trajets sont en blanc. Le désert. Ou presque. Presque. Il y en a un de petits filets de lignes d'air qui y passent. Et voyez-vous, l'ancien lieu là-haut, la ligne d'arrivée. Allez savoir pourquoi ce retour opiniâtre à l'ancien lieu. Il arrivait que l'une ou l'autre d'entre nous l'accompagne, ce gamin, jusque dans l'eau. Lui ne s'y mettait pas dans l'eau. Il regardait. Et nous y avons pensé. Puisque d'autres, il n'y en avait pas pour lui.
Comment faire pour nous faire haut à ses yeux? Juillet 1969. Il a dû arriver quelque chose. Là-haut, il y a toujours le mouvement d'horlogerie, immuable, tourner en rond et se balancer. La roue et l'ancre. Mais la ligne d'air, elle les prend, nos trajets, qui en sont tout irrigués. Est-ce à dire que ce gamin-là prend part à nos projets? De bon à rien qu'il était, le voilà devenu une extraordinaire machine à tout faire. Décidément, sans le langage, point de fin. Vérité d'évidence qui peut nous éviter de voir que le langage peut avoir ses propres fins. Et de nous, il s'en fout pas mal, le langage. Ni plus ni moins que ce gamin-là. L'un de nous est parti vivre dans un creux, à 300 mètres du hameau. Robinson, dans son île d'en bas, dans son île en creux, et pourvu de quelques vendredis pas ordinaires, invivable
insupportable, incurable, un petit cours d'eau, une tente, un abri, des quatre murs sans toit d'une bergerie depuis longtemps désertée, sans toi ni moi, ces enfants-là. Et la ligne dériva, en revient, y repart, y demeure, en repart, et la voilà dans cette maison où nous sommes. De l'eau dans la maison, il n'y en a pas. C'est ce gamin-là qui l'apporte, qui nous l'apporte. Ce nous-là, je le rajoute. Ça nous fait cet effet-là, qu'il nous l'apporte, l'eau, inlassablement. L'eau portée de la fontaine à l'évier de pierre. Inlassablement, c'est peu dire. Il y avait comme de l'enthousiasme dans l'effort de la porter, cette eau. Et pourquoi pas? Les jours étaient semblables, et tout piqueté d'éclats de joie. La joie, ça éclate. Il en retombait des morceaux partout, entre nous, à tout moment.
Si vous l'avez mis en blanc, c'est ce qu'il y a. Il y a quelqu'un qui se repère là, quoi. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui apparaîtrait, qui soit un peu de même nature que le cercle blanc de l'île d'en bas? C'est-à-dire, tous les trajets des gamins aller à droite, à gauche, circuler, et jamais leur trajet ne franchissait. Et est-ce que c'est un. Est-ce que c'est un. Quelque chose qui est comme ça? Non, je pense pas. Non, non. Allez, faut que... Tant pis. Bon. On en trouvera bien quelque part. Donc au ferret, il y a cette pierre-là, qui est l'ancienne pierre à tiroclair. Oh, il n'y a aucun objet qui passe là-dessus. Il y a maintenant un gourdin, et on tape dessus. Voilà. Qui remplace le caillou, ou... enfin là c'est un gourdin. Voilà. Et sur ces pierres-là, à l'avance, il y a une bassine, la scie ou la hache. Ouais. Et là, disons, une gamelle ou un sac à pommes de terre. Ouais. Enfin, donc, sur ces pierres sont posées à l'avance ce qui va se passer. Mmh. Et au moment où on les pose, on passe aussi par la pierre, on tape un coup de bourdin.
Thank you.
à force d'en tracer des lignes d'air, à partir de chaque enfant, là, nous en arrivons à voir un peu ce qui ne nous regarde pas. Je veux dire, ce que notre regard aveugle de parlant a bien du mal à voir. Comme un corps, tracé en gris, presque aussi noir que l'eau, à force d'y être, là, sans doute, et d'aller, et de venir, tourné en rond, a disparu, résorbé dans l'affaire. Tout ce gris, c'est notre coutumier à nous qui avons nos projets et notre train-train. La ligne d'air s'y enrobe dans notre coutumier. Par-ci, par-là, les petites fleurs noires du pour-rien persistent. Certains d'entre nous devaient penser que c'est de la mauvaise herbe, ce pour-rien-là. Et l'extirper en douce, graine de symptômes. Et il n'y en a quasiment plus sur ce tracé-là. Il faut les chercher. Se peut-il qu'il l'ait été, le gamin à la boule d'argile, à ce point mobilisé, domestiqué, aller savoir quel mot il faut penser quand tout va si bien. Et il a fallu en tracer des cartes. Et ce, malgré tout, malgré le temps qui manquait et la fatigue, et tout ce qui empêche de voir ce qui ne nous regarde pas. Les fleurs noires ont disparu, ou bien elles n'ont plus été perçues par l'un de nous, traçant. Ça ne nous regardait plus, ces fleurs noires, ce gamin était des nôtres. Tout ce qui nous empêche de voir ce qui ne nous regarde pas, je veux dire, ce qui échappe au langage dont nous sommes les esclaves, plus ou moins malin, plus ou moins subtil. Nous en avons de bonnes raisons de ne pas voir, alors que la raison elle-même nous aveugle de sa lumière, de ses lumières, ce qui n'est pas une raison pour le surnommer incurable, ce gamin-là. Quel surnom est dur à porter.
langage fait toujours défaut. Le pont est encore rompu. Nous sommes passés à gué. Il s'en faut de quoi ? De quelques pierres. D'une pierre. Cette pierre-là, inscrite, transcrite, nous ne pouvons tout de même pas dire qu'elle est sortie de notre corps. Et pourtant, je dis qu'elle est une chose repère de ce corps commun. Comment dire autrement ? Il ne s'agit pas de l'un et de l'autre. Il s'agit bien d'une espèce de nous, mais d'un nous qui n'a rien à voir avec la conjugaison des personnes là présentes. Certes, il nous a fallu nous entendre, nous concerter même, sans trop y croire. Mais c'est toujours à notre insu que ce gamin-là faisait éclater l'évidence que là, il nous trouvait. Et c'est là, à lui, c'était des drôles de là. C'est ainsi qu'est née cette pierre. Cette pierre à permettre. Des initiatives en gerbe. Comme en tapant sur une pierre, il arrive que ça fasse des étincelles. Une pierre et un dé.
de par la présence là d'enfants qui n'ont pas d'histoire, nous la recommençons sans cesse l'histoire, à zéro. Il était une fois des hommes et des pierres. Ils se tenaient volontiers près des sources et ils ne savaient pas pourquoi. L'eau, c'est quelque chose que n'épuise pas le pourboire. Et les pierres, elles étaient là aussi. Et le pour s'y asseoir, pour y casser des noix, pour en faire des murs, pour marquer des bornes, ne les épuise pas. Gamin-là, invivable, insupportable, incurable, il en prend des initiatives. Fasciné, attiré qu'il est par les choses à faire. Une pierre de nous dans la ligne d'air. Initiale. Vous savez, il est toujours là, le mouvement d'horlogerie tourner en rond et se balancer. Et ce petit caractère qui inscrit l'événement de l'initiative est fait d'un rond et d'un bâton. Point sur lit. Lit d'initiative. Lit d'immuable. Il jette le dé et le voilà parti pour faire. Mais dans un monde où règne langage, aura-t-il jamais la liberté? Reste à savoir si nous l'avons, nous, l'être du verbe. Et aller savoir ce qu'il entend, quelle voix qui n'en sont pas et qui parle du temps, où l'être humain n'était ni l'un ni l'autre discriminé par le langage. Aucun animal n'écoute comme ça, pour rien. Le bruit qui vient du plus profond de l'eau, qui n'est pas une chose, puisque lui n'est pas quelqu'un.